Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue pour cette toute première RAFAC. Vous savez peut-être ce qu'est une fac, une foire aux questions, donc c'est pour répondre à l'ensemble des questions les plus souvent posées, et vous connaissez Rafa du blog Le Barbecue de Rafa, vous êtes ici même, et du coup l'idée c'est de répondre en direct aux personnes, tout simplement parce que je me suis rendu compte qu'au fur et à mesure il y a de plus en plus de personnes sur la page Facebook qui m'envoient des mails, plein de commentaires sur ma chaîne YouTube, donc pour ça j'ai lancé avec Rohan et Stéphane le groupe Barbecue et vous, que vous pouvez aller. C'est un groupe Facebook, posez vos questions, montrez ce que vous savez faire, postez vos recettes. Mais malheureusement, je n'arrive pas à répondre à tout le monde, donc je vais pouvoir répondre ici en vidéo à quelques questions que j'ai présélectionnées. Alors, la toute première question, c'est... Bonjour Rafa, je possède depuis quelques jours un kettle 57 et je regarde énormément vos vidéos conseils, mais il y a quelque chose que je n'arrive vraiment pas à faire, c'est la cuisson indirecte. J'ai acheté les deux paniers de cuisson, mais j'ai l'impression que la température descend vraiment au point que la braise s'éteint. Même problème pour faire le poulet entier avec la braise sur tout le tour du barbecue. Mais pareil, la température descend, les aérateurs sont bien ouverts, mais je n'arrive pas à comprendre. Pouvez-vous m'aider, s'il vous plaît? Merci à vous et continuez comme ça. Eh ben écoute, Yoni, on va pouvoir répondre à ta question. Donc il y a déjà plusieurs choses à savoir, c'est que le charbon c'est bien pour des cuissons de 20-25 minutes, parce qu'ensuite à partir de 30 minutes la température va vraiment descendre pour être quasiment totalement nul à partir de 45 minutes. Donc quand tu fais un poulet par exemple, c'est bien d'avoir de la briquette, donc c'est du charbon de bois compressé. Tu peux regarder ma vidéo sur la différence entre briquette contre charbon. Donc voilà, quand tu fais un morceau comme un poulet, c'est bien d'avoir plutôt de la briquette pour les morceaux qui demandent à faire de la cuisson indirecte. De manière générale, je recommande la briquette pour tout ce qui est cuisson indirecte et le charbon pour tout ce qui est cuisson directe. Après, il y a des petites différences, mais généralement, c'est comme ça. La deuxième chose qu'il faut savoir, c'est que généralement, les gens laissent beaucoup trop longtemps le charbon dans une cheminée d'allumage. C'est 7-8 minutes maximum, et ensuite, il faut retourner la cheminée d'allumage. Des personnes laissent 15 à 20 minutes, ça c'est uniquement pour les briquettes, ça met un petit peu plus de temps à prendre. Donc si on laisse déjà 20 minutes du charbon dans une cheminée d'allumage, c'est sûr qu'après, il va y avoir un temps de cuisson de 5-10 minutes, et ensuite, ça va s'étouffer. Donc ça, c'est la première des choses, donc c'est de bien choisir son combustible, et la deuxième, de pas laisser trop prendre en braise dans la cheminée d'allumage. La troisième des choses, c'est de bien vérifier les aérateurs, mais apparemment, comme tu me l'as dit Yoni dans ton mail, les aérateurs sont bien ouverts, donc en bas et en haut, c'est les deux choses à faire attention. Voilà, j'espère que j'ai bien répondu à ta question. Une question maintenant de Ben, directement sur ma page Facebook. Bonjour, déjà un grand merci pour toutes les vidéos qui font saliver. Je ne trouve pas de vidéo où vous donnez un peu un classement, un top de fumoir. Je me documente un peu. Pour le moment, je n'ai qu'un barbecue gaz avec 5 brûleurs, ce qui est déjà pas mal. Quelque chose d'assez costaud, mais pas de marque, donc d'une qualité moindre. Ah, je regarde un peu les fumoirs, mais qui pourraient faire de tout sans se ruiner. Alors, si vous êtes dans ce cas-là, que vous avez déjà un barbecue gaz... Il y a deux possibilités. Moi, ce que je préconise, c'est déjà d'avoir un bon barbecue charbon. Par exemple, si vous prenez un Weber E5770 ou un Master Touch, donc si vous prenez un Master Touch de chez Weber, il y a 7 vidéos pour savoir comment transformer son barbecue gaz, son barbecue charbon en fumoir. Il existe aussi comment transformer son barbecue gaz en fumoir. Et de tester un petit peu, de voir ce que ça va donner, donc sur un Master Touch avec le goût fumé comme ça. Alors c'est sûr que ce sera un petit peu difficile à gérer au niveau des entrées d'air, d'avoir une stabilité de la température. Sinon il y a le Weber E5770 qui est un petit peu plus cher, mais avec le déflecteur vous pouvez vraiment utiliser votre barbecue charbon comme un fumoir. Donc moi je pense que vraiment pour débuter vous aurez un très bon barbecue charbon et on va dire un fumoir pour débutants. Voilà, c'est bien pour savoir si le goût fumé va vraiment vous plaire, si vous allez apprécier, passer des heures à regarder un pulled pork, une brisquette, des ribs. Si ça vous plaît, ce que je vous conseille, c'est vrai que c'est très vite prenant, ça devient une vraie activité d'extérieur. Donc si ça vous plaît, ce que je vous propose, bah, c'est de passer ensuite sur deux autres modèles chez Barbecook. Donc j'avais montré le modèle L, le Oscar. Il est très bien, vous pouvez l'utiliser aussi en barbecue charbon. Il n'est pas fait pour ça, parce que sinon vous cuisez vraiment très très bas à hauteur du tibia, quoi. Donc c'est pas très très agréable. Mais en tout cas, en fumoir, à chaud ou à froid, il est vraiment top.
Par contre, il est vraiment super grand. Donc, si vous avez commencé le fumage ou que vous voulez pas mettre beaucoup d'argent, je vous conseille le Barbecook Oscar M, que l'on trouve aux alentours de 180€ dans les magasins spécialisés, même sur Amazon. Et du coup, là, vous aurez un produit avec un excellent rapport qualité-prix, parce que ce sera vraiment pas très cher, avec une bonne stabilité, et vous allez vraiment pouvoir vous entraîner sur un bullet smoker, donc un fumoir vertical, au plaisir du fumage. Donc voilà, si vous voulez quelque chose de vraiment premium, vous pouvez partir sur des offsets, sur des barbecues de type Kamado, sur un Weber Summit Charcoal. Si vous voulez quelque chose de plus intermédiaire et le meilleur rapport qualité-prix, selon moi, c'est soit le Oscar L qui a une très grosse contenance, ou sinon le Oscar M. Les deux sont de chez Barbecook. Là, vous aurez vraiment le meilleur rapport qualité-prix avec une bonne stabilité du barbecue. Et si vous voulez quelque chose en entrée de gamme, eh ben, je conseille le Weber E5770. Vous aurez un excellent barbecue charbon et un fumoir plutôt moyen, mais vous pourrez rentrer dans le monde du fumage, donc pour les débutants c'est vraiment quelque chose de super. Voilà mon classement des fumoirs. Une troisième question que j'ai reçue également sur Facebook de la part de Martial. Bonjour, j'ai un barbecue à gaz de chez Kadak, donc c'est une marque sud-africaine, le Braai Max, bah oui forcément, hein, le Braai Sud-Afrique, Afrique du Sud. Il est super bien, je l'utilise depuis longtemps, mais j'aimerais bien essayer de faire du fumage à froid là-dedans avec ma spirale barbecue. Auriez-vous des conseils? Merci. Bah en fait, pour faire du fumage à froid, il faut juste quelque chose de fermé. Donc vous pouvez faire du fumage à froid sur un barbecue gaz, sur un Kamado, dans un offset, etc. Ce qu'il vous faut surtout, c'est d'avoir soit une spirale, soit un labyrinthe. Donc moi j'ai les deux à la maison, je préfère mon labyrinthe de chez Jaeger. Vous trouverez tous les liens dans la description de la vidéo juste en dessous, parce qu'il est vraiment beaucoup plus facile, on est sûr qu'il ne s'éteigne pas, et avec de la sciure. Donc finalement, si on a un barbecue de n'importe quelle marque, du moment que ce soit un barbecue couvert et fermé, on peut venir faire du fumage à froid, soit avec un serpentin, soit avec un labyrinthe. Et puis vous pouvez regarder ma vidéo de comment bien allumer un fumoir à froid pour être sûr que la sciure ne s'éteigne pas. Une autre question de la part de Dylan que j'ai reçue sur ma page Facebook également. Bonjour, je viens vers vous pour vous demander conseil. Je sais pas pourquoi les gens vous voient, vous pouvez tout simplement me tutoyer, hein. J'aimerais acheter un fumoir qui fait aussi barbecue avec un budget d'environ 100€ maximum. Est-ce que ça peut se trouver? Si oui, quelle référence pouvez-vous me fournir? Ce serait pour fumer de la charcuterie ou autre et faire des barbecues cet été. Merci à vous d'avance, bonne journée. Honnêtement, donc vous voyez, je reçois pas mal de questions sur les fumoirs. Pour 100€, non, je vous ai dit juste avant qu'il y a le Barbecook Oscar M qui est à 170-180€ que l'on peut trouver, qui est vraiment bien. Mais pour 100€... on va pas trouver grand chose. Regarde plutôt sur des sites de type Le Bon Coin, parce qu'on peut trouver des barbecues anciennes générations ou des choses no name en fumoir, mais alors ça va être une galère. Dès qu'il fait un petit peu froid, la température va pas monter, ça va pas être stable, ça va fumer de partout, c'est vraiment pas le top. Donc pour 100€, regarde sur Le Bon Coin, on peut trouver des très bonnes offres avec d'anciens Weber Master Touch, et comme ça tu auras ton barbecue charbon et ton fumoir. Mais si tu veux quelque chose de neuf, moi vraiment je vous le déconseille, parce que ça va vous dégoûter du fumage. Une autre question de la part de Runs Revenge que j'ai reçue sur Instagram. Salut, les recettes que tu réalises sur le barbecue classique en cuisson indirecte sont-elles réalisables sur les offsets? De façon générale, y a-t-il des recettes à faire et surtout à ne pas faire sur les offset smokers? C'est une très bonne question. Et honnêtement, moi j'adore mon offset smoker de chez Landman, le Vinson 400. On peut vraiment tout faire au barbecue offset smoker, surtout sur ceux qui ont des grilles sur la firebox. Vous savez, la chambre de combustion, donc c'est un endroit où on va mettre le charbon, etc. Donc on peut venir faire cuire en indirect dans la chambre de cuisson et ensuite venir snacker directement dans la firebox, donc dans la chambre de cuisson. Donc toutes les recettes sont faisables, ça demande un petit peu plus de technicité, mais ça se fait vraiment très bien. Donc tout ce que je fais en cuisson indirecte, bah, ça se met directement dans la chambre de cuisson. Pour de la cuisson directe, il faut vraiment que votre offset smoker ait des grilles, que l'on puisse saisir directement sur le charbon. Donc c'est pour ça que j'aime bien le modèle que je présente. Et ensuite, on peut venir faire des pizzas, de la boulangerie,
vraiment tout sur ce type de matériel. Et enfin la dernière question de la part de Quentin. Salut Rapha, super tes vidéos, j'essaie de me lancer sur la viande maturée pour consommation personnelle. J'ai une question pour toi. Après avoir visionné plusieurs fois ta vidéo sur la maturation en sachet notamment, faut-il obligatoirement un frigo pour laisser maturer ou une cave à vin comme photo ci-dessous? Est-ce que c'est mieux? Faut-il obligatoirement du froid? Merci à toi, continue, c'est top. Oui, il vous faut vraiment à froid. C'est de la viande qui n'a été pas cuite par le sel comme sur du fumage à froid. C'est de la viande crue. Donc oui, il faut absolument respecter les normes d'hygiène. Juste pour vous rappeler les normes HACCP, la zone de danger, c'est entre 3 degrés et 63 degrés. Donc quand c'est chaud, il faut que ce soit supérieur à 63 degrés au niveau de l'atmosphère. Et quand c'est froid, c'est en dessous. Donc il faut respecter ces conditions, surtout pour de la maturation de viande à 30, 45 ou 60 jours. Donc voilà, il faut vraiment faire attention à ça. Et voilà, c'est terminé pour cette première RAFAQ. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à m'envoyer des mails en commentaire de la vidéo ci-dessous, sur Instagram, sur Facebook, et j'essaierai de répondre sur la RAFAQ numéro 2. Pour d'autres recettes d'astuces au barbecue, des réponses à vos questions, n'hésitez pas à liker ma page Facebook, Le Barbecue de Rapha. Abonne-toi au groupe Barbecuez-vous sur Facebook et abonne-toi à ma chaîne YouTube. À bientôt!